Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, messieurs, bonsoir, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Cette émission au cours de laquelle je reçois une très grande journaliste, une immense journaliste qui s'appelle Pauline Kabangu-Tchita. Ceux qui l'ont connue savent que c'était une très belle voix. Et pour moi, Pauline, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Pour moi, vous savez, Pauline, je vous dis la vérité. Pour moi, c'était d'abord la voix. Dans ma chambre, au grand séminaire interdiocésain de Lubumbashi, je suivais cette voix. Cette voix suave, cette voix chaleureuse qui, à l'époque, donnait le journal télévisé. Il y avait des femmes qui passaient, mais les femmes qui donnaient le journal parlé étaient rares. Et je commençais à rêver à partir de ce moment-là. Cette voix qu'on entendait, ce français parfait qu'on écoutait. Non, je vous assure, après, quand je vous ai connu, j'étais heureux. Parce que c'était un rêve. Vous savez, rêver autour d'une voix, tout à fait un rêve, tout à fait sain. Hein? Comment avez-vous fait pour entrer à la RTNC? Parce que c'était à la RTNC à l'époque. Oui, merci de bonnes paroles. Et beaucoup d'éloges aussi, on dirait. Mais c'est vrai, c'est sincère. Enfin, je suis arrivée à la RTNC, je peux dire un petit peu par hasard. Parce qu'à l'époque, je revenais de France et j'ai trouvé que mes parents n'étaient plus à Kinshasa. Ils étaient partis à Mbujima et s'installer. Donc, c'était en 65. Donc, j'ai suivi mes parents. Et la maison familiale se trouvait non loin de la radio de Mbujimaï. Donc, Chambou Imadimba, qui était le directeur à l'époque là-bas, me voyant là, m'a dit, mais toi, tu viens de France, tu parles français, viens à la radio, viens nous aider. Nous avons besoin de quelqu'un pour les disques demandés, pour les communiquer. Comme ça, tu pourras nous aider. J'ai dit, oui, pourquoi pas, je ne fais rien. Alors, je suis allée et j'ai commencé à présenter les disques demandés et les communiquer. Mais c'était un endroit très petit, hein, juste oui. Comme ici. Et il y avait, le studio était là-bas et quand les gens entraient au studio, nous, on était là, on pouvait suivre. Alors, les personnes qui faisaient le journal, parfois, ça me désolait d'entendre des erreurs de français ou même de prononciation, j'ai finalement demandé à Chamboui pourquoi je ne ferais pas le journal. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le journal. Alors, en 67, j'attendais mon premier bébé, je peux dire comme ça, et je suis venue à Kinshasa pour accoucher. Et quand je suis arrivée, ma sœur m'a présenté à Djamboulaté. Djamboulaté, qui était le ministre de l'information à l'époque. Et le ministre a dit, mais oui, si elle veut travailler ici, elle n'a qu'à venir parce qu'il y a un concours qui commence là. On voudrait justement étoffer l'équipe, surtout avec les femmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui faisaient les émissions ou qui étaient à la programmation. Quoi. Donc, j'ai rejoint le groupe. Il y avait 25 personnes, plus ou moins. Et on a fait l'examen, le concours d'entrée. Et nous avons terminé sur les 25. On a retenu 5 parmi lesquels j'étais. Mais comme j'allais avoir mon bébé un mois après, on m'a dit non, ben, quand tu auras ton bébé, tu pourras revenir. Mais tu es déjà dans les 5 qui ont été retenus, qui ont réussi à l'examen. À ce moment-là, le directeur général, c'est M. Dongo Badjanga Sekoba. Exactement. Donc, je suis partie. Et après mon congé maternité, je suis revenue aller voir Dongo. Et quand je suis allée chez le directeur général, il m'a dit « Ah, madame, vous êtes en retard.
Nous sommes très contents des quatre éléments que nous avons engagés. Il n'y a plus moyen de vous ajouter. J'ai dit, mais j'ai fait quand même le concours, j'ai réussi. Il me dit, bon, on n'a plus les moyens. Je dis, ok. Alors en rentrant pour aller prendre mon taxi sur le boulevard du 30 juin, je Parce vois... Parce qu'effectivement, la voie du Zaire à l'époque était à la Gombe. Était à la Gombe, voilà. Donc je suis allée maintenant voir, je voulais aller prendre mon taxi et je rencontre Simon Lungela, qui était le directeur des programmes avec AIPAM. Il me dit, ah, vous avez eu votre bébé? Je dis oui. Il dit, ah, félicitations. Alors vous commencez quand? Je lui dis non. Je viens de voir le directeur général et il m'a dit qu'il n'y avait plus de place, que vous aviez suffisamment de femmes maintenant, quoi, que vous n'avez plus besoin d'une autre personne. Il me dit non, 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 vous devez revenir. J'ai des émissions que vous pouvez présenter. Venez demain. Je vais parler moi-même au directeur général. Alors, bon, je suis partie quand même soulagée. Et le lendemain, je suis venue et il m'a dit, bon, c'est OK, tu peux commencer à travailler. Oui, quand Dongo vous dit non, on ne vous prend plus, quel sentiment? Ouh, j'étais très triste et malheureuse. Ben oui. Oui, parce que j'étais tellement contente d'avoir été retenue parmi celles qui ont quand même réussi à l'examen, au et concours. Puis, à l'époque, la radio... National, c'était pas n'importe quoi. Non, pas du c'était tout. C'était pas encore le grand tam-tam, mais... Oui. Et ça marchait très bien parce que... D'abord, vous ne pouvez pas passer à la radio sans que le ministre ou le directeur général ne vous parle. Hein. Ah oui. Ah, une simple erreur comme ça, là, le téléphone sonne. Absolument. Ah oui, avec Kande, on ne blaguait pas. Hein. Et surtout Dongo. Oui. Dongo qui ne souriait quasiment pas. Non. Et il avait la radio toujours allumée dans oui, son bureau. Dans son bureau. Donc, moindre erreur. Et à l'époque, ce qui vous facilitait, c'est que vous étiez une seule et même radio. Il n'y avait pas de concurrence. Non, pas de concurrence. Les seules concurrences étaient des radios provinciales, enfin, qui n'étaient pas de concurrence. Non, pas du tout, non. Bon, et par la suite, ça se passe comment? Parce que là, vous êtes prise pour faire des programmes. Oui. Bon, ça se passe comment? Alors, j'ai commencé à faire des programmes. À l'époque, c'était des programmes qui venaient surtout de France. C'est-à-dire qu'on avait la coopération avec la Radio France. Là, on appelait ça Okora. Alors, je présentais les émissions de Okora. Donc, tout était préparé en France. Et on avait les bandes avec la musique ou avec des textes. Il fallait juste lire les introductions. On avait vraiment tout simplifié pour les Africains. Comme, oui, 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 oui. Alors, comment... Vous passez des programmes à la radio, à bon, au journal. Au journal. Il y avait toujours, du moment où il y avait le Cora, donc la coopération, il y a eu un stage maintenant pour le journalisme. Alors, il y avait des jeunes qui sont venus de l'université, de ceci, de cela. Et on m'a dit, toi, rejoins aussi ce groupe-là, va faire la formation avec eux pour devenir journaliste. Donc, je suis allée rejoindre le groupe. Mais pendant ce temps-là, je faisais mes émissions aussi. De toute façon, les émissions étaient enregistrées. On les écoutait surtout la nuit. Donc, il n'y avait vraiment pas de problème pour moi. Donc, j'ai rejoint le groupe et nous avons commencé à étudier avec les Français. Il y avait Raymond Pinson et Raymond Paccard qui étaient là, qui nous ont vraiment formés pendant, je crois, 4 ou 5 mois, je ne me rappelle plus très bien. Et puis, il y a eu le concours pour aller au CFJ, donc au Centre de formation de journalistes à Paris. Alors, on a eu le concours, évidemment. Là, bon, je crois que je suis sortie parmi les 10, mais on n'a retenu que 5. Ben, c'est un concours, évidemment. Oui. Alors, bon, les autres sont partis et nous qui étions restés, on nous a mis au desk information. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé les informations à la radio. Alors, quand vous commencez les informations à la radio, quel était le feedback? Quelle était l'information retour auprès de vos auditeurs? Ça commençait à marcher parce que les gens commençaient à nous connaître. Oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de femmes qui faisaient le journal. Donc, il y avait eu Georgine Lutaï-Kanza, pas très qui longtemps. Vous avez précédé, qui nous avait précédé, mais je ne sais pas... Vous ne l'avez pas retrouvée, en tout cas? Vous non, l'avez pas. Non, pas vraiment. Quand moi, je suis arrivée, elle ne travaillait pratiquement plus. Alors, bon, c'était un peu un groupe qui est arrivé comme ça, de 5 femmes. On a commencé un peu à faire bouger les choses différemment. Et même les salaires qu'on nous payait,
on a directement changé les salaires, alors que dans le temps, les femmes étaient payées vraiment moins que les hommes de loin. Alors nous, quand on est arrivés, nous les cinq là, on nous a donné un salaire différent. Donc ça a créé... Pas nécessairement égal aux hommes, mais... Pas tout à fait, mais assez élevé. Assez élevé. Alors ça a créé quand même un peu de mécontentement parmi les autres sœurs qui étaient là. Et il y en a qui étaient là depuis des années et qui avaient quand même un salaire très maigre. Voilà. Et vous étiez donc heureuse de faire ce travail. Mais vous n'avez pas rêvé de faire ce travail. C'est par hasard, comme vous le disiez. Bon, c'est peut-être pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard qui existe, en fait. N'est-ce pas? C'est ce que je pense. Philosophe. Mais quand j'étais jeune, on m'avait posé la question. Qu'est-ce que vous aimeriez devenir quand vous serez grande? J'ai dit que j'aimerais être journaliste, photographe. Et j'aimerais être la première femme à faire ça. Photographe. Oui. Mais je vais vous faire une confidence. Oui. Vous savez que moi, ma vocation est arrivée quand j'étais, je crois, en quatrième gréco-latine, quand la télé est venue à Lubumbashi. Et ce que je voulais faire, c'était caméraman. Vous voyez, le générique qui passait... Avant, il y avait un caméraman, les images de caméraman, c'est ce que je voulais. Et vous vouliez devenir photographe. Photographe, oui. On s'est un peu oui, vraiment. Là. Alors, moi, ce qui m'intéresse et qui intéresse en tout les téléspectateurs, c'est que vous étiez la seule femme qui faisait des journaux. Et particulièrement, j'ai remarqué que vous étiez au journal de midi ou de 13 heures. Oui. Avec... Il y a eu beaucoup. Beaucoup, oui. Oui. Moi, Sylvain, je me souviens... Sylvain Goncho, il y a oui. eu Simon Mohamed. Simon Mohamed. Oh là là. Simon Mohamed. Il y avait Jerry Maël. Jerry Maël. Mm-hmm. Et je vous avais franchement remarqué, apprécié, j'allais dire aimé. Mais enfin, vous savez, j'étais sur la ligne droite pour devenir prêtre. Tout ce que je dis est tout à fait sain. Sans arrière-pensée, tout ça. En tout cas, quand vous avez commencé à faire le travail à la radio, j'étais parmi vos admirateurs et je n'étais pas le seul. Parce que quand on se retrouvait avec des amis au grand séminaire, on est très critique. Cette femme, elle est extraordinaire, quel bon français et tout ça. Et là, c'était seulement la voix. Et je n'aurais... la chance de voir Kabanguchita que lorsque je viendrai à Kinshasa en route pour Paris où j'allais en formation pour devenir, n'est-ce pas, journaliste. Mais j'avais commencé, c'est pas de moi qu'il s'agit, j'avais commencé à être journaliste déjà à Lubumbashi. Un peu avant, oui. Très très bien. Et donc Pinson et Pacard. Vous ont formé, oui. Ce sont les premières armes qui vous ont permis de bien faire le travail, mm-hmm. qui vous ont donné la voix pour ce travail que vous faisiez de manière excellente. Mais est-ce que, au début déjà, vous avez eu quelques problèmes d'intégration dans un monde où il n'y a que les hommes? Bon, je peux dire que non. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes. Les femmes ont commencé seulement... En tout cas, au journal parlé, vous étiez les seules. Oui, il n'y en avait pas, c'est vrai. Mais j'ai été bien accueillie, je crois. Le problème, c'est d'aimer ce qu'on fait et de le faire bien. C'est-à-dire que maintenant, ça force un peu les gens à vous aimer. Oui. Mais si vous le faites mal, c'est différent. Ah, quand vous dites aimer, bon, mais c'est tout le monde qui vous... Vous savez, dans une relation, il y a que des hommes, il y a que des boues. Tout le monde... Il y a des gens qui veulent... Non, tout le monde vous aime bien, comme vous m'avez aimé pendant que vous étiez au séminaire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. C'est juste aimer la façon de travailler. Et oui. Quand on est sérieux dans le travail, quand vous venez toujours à l'heure, oui. tout ça, c'est très important. Mm-hmm. Ça fait que les gens vous aiment bien. Que bon, on peut compter sur cette personne. Oui, oui. Alors, de temps en temps, on vous donne d'autres responsabilités. Oui, oui. Par exemple, si je dis, quand j'ai commencé à faire les émissions radio, on m'en a donné 12 par semaine. Bon, cela veut dire que le travail était bien fait, et toujours à l'heure, jamais en retard, et toujours bien fait.
Donc, quand les patrons étaient contents, évidemment, ils en profitent aussi pour vous en donner de plus en plus, oui, vous charger. Mais... Et alors, moi, je vous ai connu en tant que journaliste de la radio, mais vous faisiez en même temps de la télé aussi. Oui, je faisais la télévision. Parce qu'à l'époque, la télé n'arrivait pas à l'Oubaché. Oui, pas encore, oui. Mais bon, je faisais aussi la télévision. Et parfois même, je remplaçais des speakerines. Quand il n'y avait pas de speakerines... Ah non, le journaliste était des speakerines. Je faisais ça aussi. Ah bon? Oui. Mais au début, comme ça, quand vous faites la télé, vous avez envie d'y être tout le temps pour être reconnu en ville. Non, c'est naturel, non? C'est naturel, mais je n'y pense pas. Non, je n'y pensais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est que mon papa soit content. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir une télévision pour mon père et pour mon frère aîné, l'aîné de la famille. J'ai donné deux télévisions au lieu d'aller attendre dans les rues là où les gens... Quelles étaient leurs réactions? Ah, ils étaient contents. Ils étaient trop contents. Non, mais franchement. Bon, et après, on vous verra dans l'équipe de la presse présidentielle. Comment cela est-il arrivé? Dans quelles circonstances? C'était un long cheminement aussi. Comme je vous ai dit que tout s'arrange avec le travail qu'on fait, avec le sérieux qu'on met dans le travail qu'on fait, et tout le reste. Et puis vous respectez les gens avec lesquels vous travaillez, vous respectez les heures et tout. Donc tout ça, ça se combine en fait, en quelque sorte. Donc... D'abord, on m'avait, le directeur général Dongo m'avait envoyé au Parlement. Donc, il était très ami avec Bobolico. Oui. Il a dit, bon, je vous envoie un journaliste qui va rester là-bas, qui sera permanent. Je crois que c'était aussi la première, j'en sais rien. Mais je ne me rappelle pas avoir entendu quelqu'un le faire. Donc j'étais permanente là-bas et je faisais un peu des choses parfois à la limite. Il y avait des parlementaires qui parfois critiquaient le régime et tout, et j'en profitais. De manière assez douce quand même. Quand même assez douce, mais quand même critiquée. Donc je profitais de la fin, quand chaque fois je fais le reportage, quand je termine, je mets un petit mot là-bas de ce que les autres avaient dit. Alors je commençais à être connue par les parlementaires eux-mêmes, ils me cherchaient. Ah oui, la dame là qui a fait le commentaire, elle a parlé de ça. Et... finalement, Bobolico m'a amené quand il est parti en voyage. Il avait un voyage en Mauritanie. Oui, nous sommes allés ensemble et j'ai fait un travail... qui avait été apprécié. Très apprécié par le directeur général. Alors, quand on est revenu, il m'a dit, bon, je t'enlève du Parlement, je te mets à la présidence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la présidence. Pour faire ce qu'on appelle des permanences. Voilà, je faisais la permanence. Et quand, à chaque fois qu'il y avait un voyage, il y avait les directeurs qui devaient aller. Et le chef de division, il y avait le Kitutu et Mavung, je crois, qui devaient voyager avec le président. Et quand c'était les permanences normales à Omongalima, c'était moi. Toute seule ou c'était de permanence tournante? Bon, non, c'était pas tournante. Au début, c'était tournante. Après, ça a changé. Donc, quand on m'a envoyé là-bas, j'étais restée seule. Tous les jours? Tous les jours, j'étais là-bas, oui. Et quand il s'agit de voyages? Quand il s'agissait de voyages, j'étais pas. Ce sont les chefs. C'était les chefs venus. Oh, quelle discrimination. Mais comment vous avez vécu tout ce succès? Je crois que les téléspectateurs auraient bien voulu... Non, mais écoutez, une femme journaliste de la radio, journaliste de la télévision, et puis qui est permanente, donc... dont les reportages sont vus en premier. Comment vous avez vécu tout ça? Ouais, avec beaucoup de joie, je crois. J'étais aussi contente et... bon, un peu de fierté aussi, on ne sait jamais. Alors, mais après, on a commencé à vous voir dans les voyages. Oui. Allez, racontez-nous ça. Bon, tout ça aussi, ça vient toujours comme je dis, tout se suit ou... Ouais. C'était par hasard. Donc, on avait eu... Mais il faut avouer qu'à l'époque aussi, le président Mobutu parlait de l'émancipation de la femme. Oui, pas bénéficié? Ça a dû jouer. Oui, ça a beaucoup joué. J'en suis sûre. Donc, on avait un reportage en direct quand maman Mobutu était décédée. Donc, le corps devait arriver à l'aéroport.
Donc nous avons commencé le reportage en direct à partir de l'aéroport de Njili jusqu'au Mangaliema. Donc pendant qu'on a, on a fait le truc jusqu'à la fin. Donc on est arrivé, pendant qu'on faisait le reportage, on pleurait, on chantait, on disait tout ce qu'on pouvait dire. Et je pense que le président suivait ça. Après, 2 jours ou 3 jours plus tard, on devait encore refaire un reportage en direct toujours du président maintenant qui partait à Guadeloupe. Pour les obsèques de... Non, ce n'était pas encore les obsèques. C'était une année, on a fait les obsèques une année après. Une année après. Oui, alors c'était juste pour rester là-bas, amener le deuil là-bas, mm-hmm. sur place. Donc, on est arrivé à l'aéroport, on faisait le reportage en direct. Et puis, on a vu un garde-corps qui est arrivé, qui nous dit, madame, le président a demandé que l'équipe suive jusqu'à Guadeloupe pour faire aussi le reportage de l'aéroport jusque... à la résidence, parce qu'il y aura sûrement des gens tout au long du parcours. On dit, ah, mais nous, on ne voyage pas. Enfin, moi, je ne voyage pas. Donc, je vais appeler mes chefs. On a essayé avec la radio de bord, là. On a contacté Kitutu. Et venez vite à l'aéroport. Le président a dit qu'il veut partir avec l'équipe. Alors, bon, les caméramans, il n'y a pas de problème. Ils sont là, mais pour la radio, il n'y a personne, en fait. Comme journaliste, il n'y avait pas. Mm-hmm. J'étais seule là. Alors, bon, ils ont peut-être cherché à venir, mais ils ne sont pas arrivés. Donc, maintenant, quand le président s'est levé du salon pour partir, on était obligé d'entrer dans l'avion. On n'avait pas de brosse à dents, pas de sac, rien du tout. Parce qu'on n'avait pas prévu de voyager. Bon, on est parti comme ça. Quand on est arrivé, on nous a donné un peu d'argent. Bon, il y a des magasins, allez vous acheter des brosses et peut-être... Des habits de rechange. Oui, des pyjamas et tout qu'on sort. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. Mm-hmm. C'était encore un hasard, ou comment tu dirais ça? Non, c'est le fruit de vos efforts, mais également le fruit de la politique d'alors, de la promotion de la femme oui. congolaise. Ça tombe bien comme ça. Et alors, à ce moment-là, donc... Le chemin des voyages vous était ouvert. Totalement. Et quand nous sommes revenus, les chefs ne venaient plus. On ne les mettait plus sur la liste. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Hein. L'instruction a été donnée Pauline. Et donc, ça c'est le premier voyage. L'autre voyage qui est venu, c'était lequel? Je ne peux pas me souvenir. Ouais. En tout cas, tous les autres voyages, j'étais du voyage. Uh-huh. Nous sommes allés dans... beaucoup de pays à l'extérieur, même à l'intérieur du pays, on a voyagé un peu partout. Mm-hmm. Ouais. Et vous arrivez à Lubumbashi, vous oui. allez vous faire coiffer et qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à Lubumbashi, je ne sais pas si vous vous rappelez, le président avait dit qu'il va passer 6 mois mm-hmm. à Lubumbashi. Hein? Alors on est arrivé là-bas, donc un jour je me dis, bon, je vais aller au salon pour qu'on me coiffe. J'arrive, pendant que j'étais au salon, il y a des dames qui arrivent. Il y en a une qui entre. Bon, quelle coiffure on vous fait? La coiffure de Kabangu Chita. Ah bon? Je regarde comme ça. Après, il y a une deuxième qui entre. La coiffure de Kabangu Chita. Je dis, mais enfin, c'est quoi ça? Alors, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, Kabangu Chita, c'est elle. Hé! Tout le salon là, était en ébullition. Ah, c'est vous! On aime beaucoup votre... Moi, je dis, mais je ne fais jamais de différence. C'est toujours juste une petite raie. Ah bon? Alors, ça m'a fait plaisir de voir que, bon, les gens me connaissaient et il y avait quelque chose de moi que les gens aimaient. C'est vraiment... Vous souvenez-vous de quelque chose, d'un séjour à Bukavu? Mm. Où vous êtes allé former les journalistes là-bas, non? Oui. Vous êtes resté... Je ne sais pas, mais on était resté 2 ou 3 jours, on n'était pas resté longtemps, oui. Ben, j'avais un ami, il est décédé aujourd'hui, le professeur Manara, qui animait avec moi une grande émission, Profondeur. Oui. Et ben, lui était journaliste, et c'est lui qui avait pris soin de prendre votre sac à main. Et il était heureux d'avoir ce sac avec lui. C'était Mon Dieu. Si vous lui avez donné... vous lui avez fait confiance, wow. en vous confiant ce sac-là, et il me l'a raconté. Waouh. Ah oui. Je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point. Ah ben. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui quand vous voyez, bon, à l'époque, il n'y avait qu'une seule télévision, il n'y avait qu'une seule radio.
Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Oui. Quand vous regardez ces radios, vous regardez ces télévisions, quels commentaires vous avez envie de donner? Surtout aux filles et aux femmes. Bon, si je dois donner un commentaire d'abord, je dirais que je suis souvent un peu déçue. Quand j'écoute la radio, par exemple, bon, je vois qu'on invite quelqu'un ou je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais souvent il y a des gens qui passent le message là, ce n'est pas tout à fait ça. Alors je me dis qu'est-ce que c'est seulement le fait de payer de l'argent qu'on peut passer n'importe quoi. Ça, c'est la première réaction. Oui, c'est ma première réaction. Bon, les filles qui travaillent aujourd'hui, elles font aussi des efforts. Mm-hmm. J'en ai rencontré, et même quand je suis passée à la RTNC, il y en a une qui m'a dit, mais moi j'ai voulu être journaliste parce que je vous ai suivi. Chaque fois que je vous voyais, là, j'ai dit, moi je dois être comme elle. Et donc, voilà, aujourd'hui je suis journaliste, c'est grâce à vous. Oui, il y a des choses comme ça, un peu qui font plaisir. Mais je me dis qu'il manque peut-être un petit quelque chose, mais moi, je suis déjà... Quel est ce petit quelque chose qui manque? J'ai l'impression qu'on prend un peu tout à la légère. Je ne sais pas, le pays a changé. Moi, ça fait 30 ans que je suis partie. Je ne voudrais pas dire du mal de qui que ce soit. Mais... On a besoin d'être bien formé, de prendre très au sérieux ce qu'on fait. Mais n'est-ce pas aussi parce qu'il y a maintenant trop de radio, trop de télévision? Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je ne crois pas. Je peux donner un exemple, par exemple. Je ne sais pas si c'est bien de le faire, mais enfin, ça m'avait choqué parce que je suis du domaine. Mais peut-être que les autres personnes, ça ne les choque pas. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de citer une radio? Bon, il y a des journalistes qui devaient aller à l'intérieur du pays pour faire un reportage. On dit par exemple, nous serons du 30 au 1er à Kikwit. Du 1er au 3, on sera à Bandundu. Je dis seulement hein, comme ça. Alors maintenant, c'était une bande annonce qui donnait les dates et les jours. Mais ces journalistes sont déjà partis. Ils sont déjà passés à Kikwit. Ils sont déjà passés à Bandundu. Mais ils remettent à la radio toujours la même bande du début, qui dit le 30, nous serons ici. Nous sommes déjà le 5. Ce n'est pas normal. C'est ça que je dis. Donc c'est un peu un laisser-aller. Oui. Mais vous savez, à l'époque, vous l'avez dit, moi j'ai connu aussi Dongo. Un homme comme... C'est peut-être parce que lui suivait, mais... Et s'il suivait, c'est parce que le chef aussi suivait. Il lui arrivait d'appeler... Pendant le journal. Vous vous rendez compte? Oui. Alors, vous n'avez pas... Les chefs comme les ministres ne peuvent pas permettre qu'il y ait des fautes, qu'il y ait des erreurs. Dongo lui-même ne peut pas le permettre. Il suit, il fait toutes les remarques. Ça fait que... des choses comme ça ne peuvent pas arriver. Alors, mais donner quand même quelques conseils à ces jeunes filles. Je me souviens, parce que j'étais avec vous à la présidence, je me souviens d'un politicien qui disait cette phrase célèbre, « Ponil, ma fille, vous êtes un homme. » Parce que vous acceptiez même d'aller... Alors qu'à l'époque, il était exigé de n'avoir que des pagnes, aller en brousse, monter partout... Ce courage, d'où vous venez ce courage, cette force? Bon, de l'amour du métier seulement? Oui, l'amour du travail bien fait. Je reviens toujours sur ça. Parce que je me souviens qu'un jour, on devait aller dans ma gradualité vers le truc. Je dis, Pauline, mais reste. Vous vous souvenez de votre réaction? Mais pour qui tu te prends? Alors, je le faisais parce que je ne voulais pas que tout ça vous arrive, que vous puissiez affronter la rosée et tout ça. Et vous m'avez engueulé presque. Oui, je suis journaliste. Je ne dois pas avoir... On ne doit pas me materner. Ah non, pourquoi?
Ce que vous faites, je peux le faire, donc il n'y a pas de raison. Bravo. Mais donnez quelques conseils. Bon, des conseils, je peux toujours en donner. Bon, pour qu'on dise. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la meilleure façon. Vous lisiez, on vous voyait toujours avec un livre. Beaucoup, vous lisiez beaucoup. Oui. Donc, en fait, ce sont les conseils que nous avons reçus quand on nous a formés. Ça aussi, j'ai l'impression que ça manque. Je ne sais pas si ici, à Numérica, vous formez les gens. Mais comment? Parce que j'ai l'impression qu'on compte seulement le diplôme. Bon, comme il y a l'école de journalisme ici, les gens entrent à l'école, ils ont les diplômes et c'est fini. Ils vont directement, on les met à la radio, directement à la télévision. Non, nous avons fait 6 mois de formation pour pouvoir présenter le journal. Et cette formation était continue parce que vous étiez entouré des gens qui connaissaient leur travail. Oui, voilà, oui. Alors, la première chose pour faire bien son travail, il faut beaucoup lire, vous l'avez dit. Il faut beaucoup lire, il faut être informé. Vous ne pouvez pas venir travailler, présenter des informations sans être informé vous-même. Donc, vous vous informez, vous écoutez les radios, 2 ou 3, et vous écoutez les informations d'autres personnes, comment c'est présenté. Vous écoutez un peu n'importe quoi, mais il faut écouter là où les gens donnent les informations. Je suis même des informations des gens sur YouTube. De temps en temps, j'écoute seulement pour voir comment les gens analysent les choses, comment ils regardent les situations qui se passent et tout ça. Donc, et puis, il faut lire des livres parce que c'est important. Les Congolais ne lisent pas beaucoup. Tu vois, nous, quand on était à la RTNC sur Gombe, là-bas, à Gombe, on était vraiment privilégiés. Parce que juste à côté, quand tu sortais, il y avait la bibliothèque La Détente. Oui. Alors, c'était notre endroit où on allait toujours acheter des livres. Toujours acheter des livres. On a des centaines de livres. Oui. Il faut lire. C'est très, très important. Et puis, bon, qu'est-ce que je peux encore dire? Le reste, je l'ai dit. Il faut aimer ce qu'on fait et il faut bien le faire. Vraiment l'aimer, c'est la seule façon de vous faire respecter. C'est la seule façon d'attirer l'admiration des gens autour de vous. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous passez, on dit, c'est... Voilà. Et puis il faut rester simple, c'est pas la peine de laisser les autres, les autres vous mettre des galons, mais ne vous en mettez pas vous-même. C'est-à-dire quand vous manquez de simplicité, c'est pas bon non plus. Alors les gens vous regardent un peu de côté parce que bon, vous parlez mal aux gens ou je sais pas, vous vous prenez pour. Faut pas vous sentir. Non. Ah, il faut pas. Vous n'êtes pas la princesse de ou bien la reine de Saba ou quoi. Non, faut être simple. Vous avez été simple. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Toujours. Vous n'êtes plus journaliste. Donc vous pouvez. Non, je vous repose cette question. Cette popularité-là, comment vous l'avez gérée dans votre vie? Parce que Pauline, c'était pas n'importe qui. Je sais. Vous vous rendez compte, le pauvre Kibambi que vous séduisez à partir de votre voix, alors qu'il est au grand séminaire. Vous voulez devenir prêtre? Non, mais vous avez très bien géré ça. Oui. En étant simple. Oui. Et le mot de la fin, Pauline? Bon, le mot de la fin? C'est un beau métier, non? Oh, terrible. Qui vous a ouvert des portes. Absolument, absolument. J'ai tellement aimé. Vous le regrettez un peu? Non, moi je ne regrette jamais rien. Allez. Non, jamais. Les gens me posent beaucoup de questions comme ça. Par exemple, j'étais avec mon mari et bon, on nous dit, le travail est fini, vous rentrez au pays. Il y a plein de gens qui nous téléphonent, il ne faut pas rentrer là-bas. Vous avez vos enfants aux États-Unis, partez là-bas, restez là-bas. Arrangez-vous, restez à... Non. Parce que je rappelle aux téléspectateurs que le mari de monsieur, un journaliste chevronné, était ambassadeur jusqu'il y a... Pas très longtemps. Ouais. Juste en janvier, on est rentré en janvier. En janvier. Donc on a dit non, notre pays c'est le Congo, on va aller là-bas. Ouais. Il y a les gens qui sont là-bas qui ne sont pas morts, pourquoi nous on doit rester dans un pays étranger? À notre âge, moi je suis vieille, je ne vais pas rester là-bas. Vieille, mais toujours la même, le même sourire. Le même sourire, mais pas la même. Vous savez que vous n'avez pas beaucoup perdu. C'est moi qui vous le dis, acceptez-le dans votre sagesse. J'accepte, mais je suis une petite vieille, hein, avec
Puis 23 petits-enfants, hein. Je ne suis pas rien. Hein. 23 quoi? Petits-enfants. C'est pas vrai. Ben si. Pauline, est-ce que j'ai encore... Ben écoutez, j'ai vidé toutes les questions que j'avais. Je n'ai pas préparé avec questions-réponses et vous avez répondu comme... Est-ce que ce métier continue à vous, le métier qui a été le vôtre, continue à vous poursuivre? Bien par sûr. Exemple, dans les relations avec les autres. Oui. On y gagne toujours. On a été journaliste un jour, on le reste. Oui. Par exemple, je viens de faire quelque chose, parce que moi, je suis sur Facebook. Et en venant ici, j'ai vu sur les taxibus, il y a toujours des messages dans le... Oui. J'ai commencé à prendre des photos de ça. J'en ai pris 80, presque, que j'ai mis sur Facebook. Alors, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, les embouteillages, moi je suis fatiguée, ce pays-là. Moi je dis, ah, moi dans les embouteillages, je ne fais que rire. Oh, comment ça? Je dis, oui, je lis ces messages-là, je m'amuse comme une folle. Alors j'ai mis ça et les gens commencent à rire avec moi. Mais alors, parce qu'il y a beaucoup de fautes ou parce que c'est sympa? Non, parce que c'est marrant. Hein? Il y a des choses... Allez, donnez-moi quelques... Je n'ai pas. Il y a par exemple quelqu'un qui écrit « Nzambe a monaki na yeme aboye koloba ». Mais pourquoi ça vous fait rire? Mais ça fait rire, non? Comment ça, Nzambe a monaki mais aboye koloba? Oui, donc que vous le répétez effectivement. Et il y a parfois des phrases oui, des qui phrases, vous inspirent. Oui. Ben oui. Alors, il y a une cousine qui me dit, mais toi, vraiment, tu restes journaliste. Comment tu as eu cette idée-là d'aller trouver ces choses-là et de faire un reportage comme ça? J'ai dit, mais bon, ça m'a frappé. Ben, j'essaierai de suivre sur Facebook ce que vous faites avec intérêt. Est-ce que... J'ai voulu vous recevoir parce que vous êtes une femme qui a aimé son travail, qui l'a fait avec passion et qui finalement a réussi sa vie. Merci vraiment, Pauline, d'être venue, de vous être dérangée. Et enfin, je vais souligner quelque chose. Nous sommes au 5e étage, il n'y avait pas d'ascenseur. Moi, vous savez ce à quoi je m'attendais? Parce que vous puissiez dire, Kibambi, il n'y a pas d'ascenseur, vraiment, je ne monte pas. Vous êtes montée, vous êtes restée la même Pauline. Pauline, ma fille, vous êtes un homme. Extraordinaire. Merci, Pauline. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Wamuse Memba. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je reçois une consoeur qui peut-être a fait en sorte que je puisse suivre ce métier qui ne m'était sans doute pas destiné, mais je vous assure que c'était un plaisir de suivre Kabanguchita à l'époque et tout le long du travail. Pour terminer, vous avez fait, je n'ai pas honte de le dire, nos amis de Brazzaville, en fait, imitaient un peu ce que nous faisions. Mais vous, lors de la prestation de serment d'un cabinet ministériel, vous avez fait évoluer les choses. Et ça vous a été félicité, même nous, qui étions avec vous au Mont-Gallimard. Oui. Quelle idée extraordinaire. Vous faites bouger les choses. Oui, il faut bien. Vous êtes femme, vous faites ce métier, lisez, aimez-le avec passion, et tôt ou tard, il vous rapportera. Vous y gagnerez gros. Merci de nous avoir suivis, j'espère avec plaisir. Merci pour ceux qui ont plus de 50 ans d'avoir suivi cette vedette de l'époque et qui le demeure aujourd'hui parce qu'elle demeure journaliste. Merci encore une fois, Pauline. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bonjour.